Yopougon, quartier Maroc. Il est 11h sur les ruines du bâtiment de 4 étages effondré la veille. Mardi, en début d'après-midi, des badauds tentent encore de retirer quelques objets. Un autre témoin présent au moment même de l'effondrement. Je m'appelle Diallo Amadou Djoudé, je suis le boutiquier sur le rue Sossé. J'ai senti que depuis avant-hier, l'immeuble s'est affaissé. Je dis à mon frère, prends tout ce que tu peux prendre, sortons, l'immeuble va s'effondrer. Plus de peur que de mal, 4 blessés légers selon les secours, tous transportés au CHU de Yopougon. Et ces 4 blessés sont les seuls blessés que nous avons pu dénombrer jusqu'à 5h du matin où les opérations de recherche éventuelles de victimes ont été arrêtées. Un tour au CHU de Yopougon, on n'a pas accès aux blessés faute d'autorisation. Une chose est cependant certaine, les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes exactes de l'effondrement.